Alors, aujourd'hui, ça va être une petite vidéo vlogging. Alors, pourquoi vlogging? Vlogging, vlogging. Yo, aujourd'hui, ça va être une petite... C'est trop con ce que je dis. Alors, bref. Hey, guys. Ah, pardon, c'est en français. Yo. On a presque vu mes yeux. T'as cru que t'allais les voir, mais t'as pas vu. Je t'ai eu. Vlog qui signifie vidéo. Log. Alors, ça passe pas bien. En fait, j'attends que l'avion y passe. Alors, pourquoi un vlog comme ça d'un coup? Bam. Alors que. Il n'y a même pas 5 000 abonnés, pourquoi il va faire une évolution maintenant et tout? Alors, je fais une vidéo vlog, surtout. Ça sature même pas quand je fais ça. Chiant. Ouais, je suis à moins 15 dB. Je vais y arriver. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Yo tout le monde. Alors. Cette petite vidéo log, c'est surtout en fait pour parler, parce que il faut qu'on parle, tu vois. Tu m'as demandé, toi, abonné ou pas abonné, de parler en français. Eh bien, voilà. C'est bon. C'est fait. Petit fondu au noir de 10 secondes, comme d'habitude. Non, je déconne. En fait, je fais pas beaucoup de vidéos avec la voix. Parce que, comme je l'ai dit, je l'ai montré dans ma petite vidéo setup sur Facebook, l'installation pour la voix, elle est beaucoup trop, enfin beaucoup plus compliquée, plus longue à mettre en place. Installation longue à mettre en place, ouais, c'est bon. Parce qu'il y a un autre microphone. Donc, j'ai pas beaucoup le temps en semaine et tout de faire des vidéos avec la voix, parce que c'est beaucoup plus long à installer. Voilà. Sauf que là, en fait, il y a juste la voix. J'utilise pas mes mains, donc j'ai gardé les deux micros de Barack Obama. Direct, boum. Et je ne suis pas sûr que Barack Obama fasse de vlog. Ce qui fait que je suis boum. Alors ça c'est dit. J'ai pas pris le nouveau. C'est pas grave, c'est bien aussi. Comme ça je peux parler à gauche. Non, c'est à droite ça. Et là je peux parler à gauche du coup. Droite, gauche. Gauche, droite, gauche. En fait j'ai une feuille. J'ai une feuille avec la liste de tout ce que je dois dire. Du coup, je regarde ma feuille. Mais. Mais en fait, j'ai pas de. Alors, ça, c'est dit. Nous, vous approchez des 100 000 abonnés. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Bon, entre 99 999 et 100 000, il y en a qu'un en plus. Mais celui-là, bah, ce sera le 100 000, c'est tout, voilà. Donc oui, je vais faire quelque chose, je prépare quelque chose en ce moment même là, pour les 100 000 abonnés. Mais j'espère que j'aurai le temps en fait, parce que ça arrive vite. Vous vous abonnez trop vite. On se calme, je ne suis pas encore prêt. Parce que ce sera plus en fait un lot de plusieurs vidéos. Voilà, je spoil. Un lot de plusieurs vidéos que je n'ai jamais faites encore. Mais ce sera bien. Enfin, j'espère. Normalement, ce sera bien. Donc, j'espère que je vais les faire au moment où ça va atteindre 100 000 abonnés. Bon, sinon, ce sera une ou 2 semaines plus tard maximum. Voilà. Alors, pourquoi j'ai pas le temps en fait? Parce que
Je suis en. C'est pas parce que je dis que j'ai pas le temps, mais je commence à refaire de plus en plus de vidéos. Bon, en fait, je suis en dernière année d'études. Et j'ai plus de temps le week-end. Parce que je ne bosse pas le vendredi. Mais comme je suis en dernière année d'études, j'ai plus de travail quand même. Donc voilà. D'ailleurs, je fais mon mémoire sur l'ASMR. L'ASMR et le cinéma. Donc d'ailleurs, je pense que je vais avoir besoin de vous pour mon mémoire. Parce que c'est bien beau d'être 100 000, mais faut taffer un peu. Je parle de vous. Il y aura un moment où je vais mettre en ligne des sondages sur Google Sondage. Je sais pas comment ça marche. J'ai encore jamais fait. Que je vais vous mettre au moment venu en description, en barre d'infos. Et comme ça, même s'il y en a que 1 000 sur les 100 000 qui répondent, c'est déjà énorme. Donc c'est cool. Surtout que voilà, il n'y a pas que des Français parmi vous, donc ce sera bien. Mais par contre, après cette année d'études, normalement, je préfère dire normalement parce que j'ai le choix entre deux choses en fait. Soit je continue de faire ce que je voulais faire de base, c'est-à-dire travailler dans le cinéma. Et donc je ferai des tournages. Et là par contre, quand je serai en tournage, je serai inexistant. Ce sera le désert. Entre les tournages, j'aurai du temps. Parce que je ferai rien du tout. Sauf si je pars en vacances. Mais. Voilà. Ou alors, et là c'est mieux, je pars à la campagne. Comme ça, je lâche tout. Je pars à la campagne pendant 1 ou 2 ans. Cosy, je me consacre qu'à l'ASMR. Et je fais une vidéo par jour. Pas mal. C'est plus que ma passion. C'est une philosophie aussi, une manière de vivre. D'écouter dans la rue aussi, de parler. Il faut dire son. Il faut pas dire bruit. C'est moche. Son. Attention, petit coup de gueule. Comme dans tous les vlogs, il en faut un. Mais je l'ai déjà fait celui-là. Je le recycle. Alors ça c'est dit. Comme ça. Pendant 2 ans, je peux voir si je peux en vivre en fait. Si je peux en vivre, je continue. Tout en sachant bah, que peut-être qu'un jour, YouTube, ça va disparaître. Peut-être. On sait pas. C'est pas un CDI. Mais en tout cas, ce sera un rêve. Vous savez que je n'arrêterai jamais YouTube, pour ceux qui demandent encore. Non. Je n'arrêterai jamais YouTube. En tout cas, pas l'ASMR. Si YouTube disparaît, je continuerai l'ASMR ailleurs. Me débrouillerai. Je vendrai des DVD. Oh non, ça a l'air chiant à faire. Mais peut-être. Même si je fais des tournages, je choisis le cinéma. J'arrêterai jamais l'ASMR. Même si je fais des pauses de 3 mois. Comme il y a des mouches qui passent comme ça. C'est pas normal. Bon, d'accord. Je pense à ma sage ASMR qui fait une vidéo tous les 3 mois. Qui hiberne au milieu. Alors ça, c'est dit. Voilà, d'ailleurs, la prochaine vidéo où je parle, comme ça vous savez qu'il y en a déjà une prochaine, ce sera ma liste des. Alors, pas mes ASMR artistes favoris, parce que j'ai pas envie de faire de classement. Ce sera ma liste d'abonnés auxquels je suis abonné. D'ASMR artistes auxquels je suis abonné, pardon. Voilà, dont certains sont abonnés à ma chaîne. Pour ça que j'ai. Je me suis trompé. Enfin, je fais genre que c'est pour ça que je me suis trompé. Il fallait que je vous parle d'un livre que je voulais vous conseiller. Enfin, que moi j'ai lu, après vous démerdez. Qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Voilà, c'est tout. Lisez-le. C'est un livre de malade. Ça a changé ma vie. En fait, j'ai trouvé une suite. Donc c'est de. Merde. Non, c'est bon. J'ai rien mis. C'est de.
Don Miguel Ruiz, pratique de la voix toltèque. Pas le tome 8 d'Harry Potter non plus. Ça, c'est la suite. Enfin, c'est pas la suite, c'est comment appliquer les quatre accords que vous découvrez dans le premier livre, en fait. Les appliquer au quotidien. Parce que c'est pas facile. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà. J'essaie de dire le moins, mais voilà. Parce que sinon, ça fait un peu genre le vlog. Enfin, 2-2. Mais voilà. Ma bouche fait le dire. Je me suis un peu cassé le cul à le faire, comme tu peux le remarquer. En fait, faut pas croire. C'est pas juste ça. Ça, c'est blanc, mes amis. Portez ça à 5 cm de ça. Ça, c'est un challenge. Et je vous mets au défi. En fait, c'est un petit vlog tout à fait court et tout à fait inutile. J'ai l'impression que je sais pas quoi dire, mais j'ai écrit une putain de page entière, quoi. J'ai dit un gros mot. Pardon. Voilà. C'est quoi, je vais le refaire. Je vais le refaire une deuxième fois. Et je prendrai le meilleur des deux. Sauf que, si je prends celui-là, je laisse ce que je suis en train de dire maintenant. Comme ça, ça sera marrant, tu vois. Genre, le truc aura servi. Ce qui est marrant, c'est que mon truc est tellement blanc que mes dents paraissent jaunes. Je vais bien corriger ça, l'étalonnage. Petit masque, juste comme ça, avec un petit viseur pour pas que ça se voit. Ben voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dormez bien. Si vous n'avez pas pu dormir, parce que des fois, je gueule dans le micro. Au 2 novembre. Je sais pas c'est quand le 2 novembre. Mais la prochaine vidéo sera le 2 novembre. Allez, bisous.